Jean Robert Revé, des pépinières Revé. Et nous sommes actuellement à Fleur-en-Seine et on a présenté un peu la production que nous faisons sur notre pépinière de Foucherolles. Vous avez présenté sur le stand des variétés de graminées, des variétés de chères, des variétés de lavande, notre production de figuier et une nouveauté qu'on a développée là-bas, toutes les agapantes caduques. Bonjour, Flo. Vous n'allez pas là, hein? Alors, dans les agapantes caduques, nous avons plusieurs types de couleurs de floraison et plusieurs hauteurs de végétation, plusieurs hauteurs de fleurs. Le principe des agapantes caduques, c'est que les feuilles disparaissent complètement durant l'hiver. Et on a sur ces variétés des floraisons qui sont plutôt très généreuses et des plantes qui tiennent bien sous notre climat. Et puis vous avez les grands classiques comme les sauges qui sont produites ici, florifères tous les dés, plein soleil, pas compliqué. Et puis un géranium vivace qui est présenté ici. Voilà, géranium vivace qui s'appelle Rosanne. Donc il disparaît durant l'hiver, mais la floraison est un beau rosé, bleuté rosé tout l'été. Voilà, merci à Fleur-en-Seine pour ce beau salon. Merci de nous donner la chance, après ce confinement, de pouvoir ressortir et de présenter nos productions et d'échanger à nouveau avec tous les amateurs de jardin. Merci. Benoît Poulain, les pépinières de la Plaine. Je suis installé à Méry-sur-Oise dans 95. Donc, je suis producteur de plantes vivaces, graminées et d'arbustes. J'ai 7 hectares de pleine terre, culture en pleine terre, d'arbustes, donc une gamme assez variée. Donc je commercialise mes végétaux notamment sur les fêtes des plantes. Donc je fais la Roche-Guyon, Chantilly, et différentes manifestations dans l'ouest parisien. Voilà, je suis très heureux d'être présent ici sur cette manifestation qui a la chance d'être très qualitative par la richesse de ses exposants. On bénéficie d'un site exceptionnel et il a la chance d'être bien organisé par une très bonne équipe de bénévoles. Êtes-vous bien la présidente de Fleur-en-Seine ? Oui, je suis la présidente de Fleur-en-Seine. Enchantée de vous rencontrer. Donc, cette année, on fête la 17e édition de Fleur-en-Seine avec comme plante invitée le fuchsia. Donc, ce sont tous les fuchsia qui nous entourent. Ben là, voilà. Là. Ce sont les fuchsia qui sont invités, mais il y a une multitude de plantes qui toutes différentes et qui vont ravir les jardiniers. Ça va de la petite plante, les cactées, jusqu'aux arbres fruitiers, aux arbres à fleurs, aux arbres à petites baies, les plantes fleuries, les plantes vivaces. Tout jardinier va trouver son bonheur. La preuve, les gens repartent avec des potées plein les bras. Parfait. C'est vrai que c'est très joli. Il y a beaucoup de monde. Je ne voyais pas ça aussi grand. C'est magnifique.
Êtes-vous fier de cette année de Fleurs en Seine ? On est d'autant plus fier qu'on a eu beaucoup de mal à installer cette fête des plantes suite donc à tout ce qui arrive en ce moment. Il y a beaucoup plus de conditions draconiennes à respecter, mais on avait décidé d'aider nos jardiniers, nos pépiniéristes, et donc de pérenniser cette fête des plantes. Alors cette année, donc on a le noyau de fidèles pépiniéristes et horticulteurs qui sont là. En tout cas, vous pouvez être très fiers, parce que c'est très réussi. Puis il y a le soleil aujourd'hui qui va embellir ça. On a une chance énorme parce qu'on a le soleil alors qu'on avait regardé la météo et on risquait d'avoir de la pluie. Ah ben c'est parfait alors. Je vous remercie madame, bonne continuation et félicitations. Merci. Au revoir.